tous ces corps humains, c'est un être humain mort, massacré, comme ça, qui, c'est là comme une, c'est une poubelle de chair humaine, c'est une, c'est une sorte de c'est toujours abominable, révoltant. Deux êtres qui s'étreignent comme dans voilà, dans l'orgasme de leur mort, quoi. C'est ce qu'exprime ce moment, cette. Il a son bras, il s'étreigne, ils se protègent l'un l'autre, ils sont. Mais comment venir à bout de tout ça? Je veux dire que c'est une histoire. 150 ans, ça n'a jamais arrêté. Là, j'ai le sentiment qu'on est sur un volcan. Et les films que l'on voit témoignent de ça. Témoignent de l'inquiétude de notre temps. Vraiment, là, aujourd'hui. Alors comment ne pas voir, mais on le voit, il y a des terrains de conflit, il y a des terrains de barbarie. Bon, et alors, on est quoi? On est impuissant par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'individu peut faire? Assister comme si c'était une fatalité définitive et qu'il faut bien en accepter le désastre et puis prendre la vie comme elle vient, je ne sais pas, se dire mais profitons de la vie, de ces prenons ce qui est bon dans la vie, etc. Moi je pense que il faut choisir son camp. J'ai fait récemment un travail assez long qui m'a valu la compagnie Jean Jaurès, qui a été éliminé, mais parce qu'il était un empêcheur, un pacifiste, un empêcheur. Et à la veille de la guerre de 14-18, la veille même, ben quelqu'un, un exalté, bon, mais il aurait pu surgir de partout, cet homme-là, son assassin. Parce que, à un moment donné, quelqu'un qui... Mais c'est un homme qui a lutté pour que ça n'éclate pas. Et l'horreur qui allait suivre, il en a été le... Il en a donné la vision horrible. Mais on ne veut pas entendre. Comme si, pour calmer la chose, il fallait que chacun soit exténué à bout de force. Et là, on rend les armes.